Oh putain. Oh c'est dur putain. Je me suis pas levé à cette heure-ci, moi. Oh. Bon. Ben, c'est le grand jour aujourd'hui. J'ai enfin trouvé un job. Ça depuis le temps que je le cherchais. Et apparemment, c'est cool. Il y a pas mal de Français. La boîte a l'air sympa. Il y a des meufs. Peut-être peut faire des amis. Mais le plus cool là-dedans, c'est que je vais m'occuper de toute la partie informatique. Et ça c'est le kiff. Et pour le premier jour, je vais tenter de filmer tout ça. Bon, je vais me préparer. Il ne s'agirait pas d'être en retard le premier jour. Allez, à toutes. Non, vous êtes sûr, ça vous dérange pas que je vous filme? Vous avez déjà commencé? Ouais. Ah ok, très bien. Bienvenue à bord, welcome. Gilles va vous montrer les lieux pour que vous puissiez filmer pour votre petit journal. Oui, mais est-ce que juste avant, vous pourriez me dire un mot sur vous? Sur moi? Ouais, ouais, sur vous. Oui. Gilles Le Pelletier, 35 ans, ça fait 3 ans que je vis à New York City. À cette époque-là, j'ai créé donc cette entreprise. Nous sommes 11, 12 aujourd'hui avec vous. Ah, excusez-moi. Hi, Guy speaking. No, not, I'm not available to write now, but I call you in 5 minutes, ok? Yes, I call you in 5. Bye bye. Oui, donc nous sommes très présents sur le marché européen et américain, bien sûr, et j'envisage l'année prochaine d'investir le marché asiatique. Ah, c'est bien ça. Super. Bon, écoutez, pour le reste, je vous laisse voir avec Gilles. Hein? Gilles! Là, à l'autre bout du couloir, t'as la compta. Hein? Là, attention, le bureau d'Eric. Hein? Voilà. Hey Brian! How are you? Hi. Fine. The time today is good, hein? Woo! Hein? Very sunny! Voilà. Suis-moi. Attention. Mm-hmm. Je te présente Stéphanie. Bonjour. Salut, enchantée. T'es big boss. Emma. Salut. Salut. Bon, ben, et moi, évidemment. Écoute, bonjour à tous. Enchanté. Moi, c'est Pierre Lamour. Salut. Tiens, assure-moi. Tu sais que ça me rappelle quelque chose cette caméra? Tu sais que j'ai fait du théâtre quand j'étais jeune? C'est vrai? Ah bah attends, j'ai même joué dans la pièce. Tu filmes plus? Mais si, mais attends, si. Attends, pourquoi t'as coupé? Non, je vois un truc. Ah non, je t'assure, j'ai vraiment fait du théâtre, hein. Ah ouais? Attends, j'ai plein de cassettes à la maison, hein. Je te montrerai un jour si tu veux. Ouais, ok. Non, c'est parce que là, c'est. Mais j'aurais pu devenir. Je pense, j'avais mes chances. Ok. Je peux te filmer, ça te pose pas de problème? Non, vas-y, je t'en prie. Cool. Donc, tu bosses depuis longtemps ici? Ouais, ça va faire 3 ans. Ah ouais? En fait, je suis à la base de la création de la boîte avec Guy. D'accord. Donc, tu vis depuis longtemps à New York? Ah oui, ça oui. Ça va faire 10 ans. En fait, mon mec, il est... Enfin, mon mari. Ouais. Il est américain et du coup, on est installé ici quand on s'est marié. Ah ouais, d'accord, c'est vrai, oui. La green card, c'est cool ça. Et ouais. Vous avez des enfants? Non. C'est en préparation? Ok, et eh ben, moi c'est l'informatique. Tout ce qui est informatique, c'est moi. Pierre! Oui? Je viens de me rendre compte d'une chose, vous n'auriez dû commencer que demain. Ah bon? Oui, je confirme. Alors, puisque vous êtes là, profitez-en pour vous installer tranquillement à votre bureau. Ok. Si vous avez besoin d'aide, vous demandez à Gilles. D'accord. Et profitez-en pour faire votre badge. D'accord? Donc le badge, c'est très simple, ça se fait à l'étage du dessous. Et la barbe, je suis pas sûr. Ok. Ton vrai nom, l'amour? Ouais, pourquoi? Je sais pas, c'est drôle. Mon horoscope m'a dit que je devais rencontrer l'amour aujourd'hui. Et ça faisait combien de temps alors que... Ça fait combien de temps que t'es là? 6 mois. Et j'adore New York. C'est vraiment autre chose, tu vas voir. C'est dingue ici. Ouais, je sais, ça fait un moment que je suis là et j'ai vu des... Ah ouais? Ouais. Okay. Tu faisais quoi avant?
Bah écoute, c'est un peu compliqué, j'ai fait des études de marketing. Et puis quand Pierre, je suis arrivée ici, Viens voir, viens voir. Ah, attends, excuse-moi, j'arrive. Pas de problème. Viens voir, tu connais l'encyclopédie gratuite là, sur la toile, là. C'est nouveau. Ah, ouais. Oh, c'est génial. Viens voir, voir ça, là, on l'avait pas déjà payé? Ah. Ah si, je crois que je l'ai... Ouais, je crois que je l'ai traité la semaine dernière. Tu peux vérifier, s'il te plaît? Ouais. Tout de suite. Ça va, toi, sinon? Ouais, ouais, ça va, ouais. Parce que je te trouve hyper pensive. Je te parle qu'ailleurs. Bah non, ça va. Toi, tu me caches quelque chose. Non, pourquoi quoi? Je suis enceinte. What? Chut. J'ai fait des tests hier, c'est un truc de fou. Oh, mais c'est génial, félicitations. Merci. Écoute, personne, prends promis. Tu peux vérifier, s'il te plaît Ouais, bien sûr. Attends, excuse-moi. Ah, oh, merde. Ah, oh, c'est filmé. Bon, ben voilà, je suis installé. C'est cool, je suis hyper content. Je suis excited. Et j'en profite, là, je suis dans le bureau de mes collègues pendant qu'ils sont pas là. Hop là, pour filmer un petit coup. D'ailleurs, ils ont tous l'air très cool. Ça, ça me fait bien plaisir. Je sens que je vais plaire ici, hein. Ça, c'est cool. Le gros kiff, quoi. Ouais, c'est le kiff, bébé. Tu fais quoi ce soir? Je sais pas encore. Tu m'as coupé tout à l'heure. Tu m'as coupé avec Emma, elle était cool. Et toi, tu m'as coupé. Mais attends, premier jour, t'avais déjà les yeux sur les gonzesses. Mais non, c'est juste qu'elle avait l'air sympa. J'ai pas du tout le... Ouais, c'est ça, attends, je te vois venir. Oui, c'est ça. Non, non, viens ce soir, on a une grosse soirée avec des potes. Mais pourquoi pas, alors... Allez. Ok. Now, more on the latest building collapse in New York. You might have heard a few moments ago, I was talking about the Salomon Brothers building huge collapsing. Clouds, and indeed it has. And apparently, that's only a few well, hundred only yards really away. What you already know. Details are very, very sketchy. Bonjour à tous. Ce flash spécial pour vous annoncer ces très spectaculaires explosions. Ce serait un attentat, selon les médias américains, à New York, au cœur de Manhattan. On vient de l'apprendre, un terrible accident d'avion en plein cœur de New York. Un avion s'est encastré dans une des deux tours du World Trade Center. On rejoint tout de suite notre correspondant sur place, Pierre-Alexandre. Pierre, est-ce que vous avez des détails? Écoutez, je suis en face des Twin Towers.